Et c'est le rôle que Expresso veut jouer au Sénégal, tout en droit de ligne avec les stratégies PSE, programme Sénégal émergent et les programmes de stratégie numérique 2025 du gouvernement du Sénégal. On va être un partenaire pour ce gouvernement-là et l'aider dans l'encadrement des jeunes, dans la formation des jeunes, développer leur esprit d'entrepreneurship, d'entrepreneuriat, les aider à mettre le projet sur le marché. Et ils vont devenir notre souhait, c'est que ces jeunes-là, au lieu de chercher de l'emploi, ils vont être pourvoyeurs d'emploi. Donc c'est à ça que s'engage. Et ça, donc les critères de sélection, comme vous avez vu dans la présentation, on a décidé que la compétition est limitée aux gens qui ont 29 ans, qui ont moins de 29 ans, on va dire. Et puis, c'est pas limité à aucune discipline, comme je viens de le dire. C'est pas seulement les télécoms ou les services IT, mais ça peut être de l'agriculture, de la santé. Toutes les disciplines sont ouvertes pour cette compétition-là. Donc les critères, c'est être jeune, de moins de 29 ans, résider au Sénégal. On va partager ces modalités-là sur le site web. Résider au Sénégal et présenter le projet sur une vidéo de 3 minutes. Quelques slides pour décrire le projet, c'est qui les membres, si c'est une équipe, c'est qui les membres de l'équipe, son projet s'adresse à quoi, à quel segment de marché, quelles sont les solutions proposées. Et puis là, on va passer à la sélection qui se fera par un jury transparent qu'on va communiquer avec tout le monde, pas seulement les gens d'Expresso, mais nos partenaires des universités, des écoles, de l'industrie, des ministères. Donc on va constituer ce jury pour désigner les 10 projets qu'on va incuber dans notre, si je me permets la répétition, dans notre centre d'incubation. Je vais vous assurer, c'est beaucoup de millions qui iront aux gagnants. On va laisser l'opportunité à la personne en charge de le communiquer. Mais pour nous, ce qui est encore plus important, ce n'est pas l'argent qu'on gagne, parce que cet argent-là, on le met à disposition d'une équipe ou d'une personne, il en fait ce qu'il veut. Mais ce qui est important pour nous, c'est de les accompagner à structurer le projet, à pouvoir vendre ce projet-là, soit à Expresso ou à des investisseurs que nous avons la crédibilité de ramener sur la table. Pour nous, cet engagement-là de la formation sur le leadership, sur le design thinking, ça c'est vraiment plus important et plus structurant que le prix qui ira à une seule personne.